Eh bien bonjour tout le monde, ici Goblin et on se retrouve pour la suite à De La Carre avec Alex Hunter. C'est fini l'Euro, retour à Manchester United, retour compliqué pour Alex Hunter. Comme il a indiqué sur Twitter, voilà, après l'élimination de l'Angleterre, il est resté au pays hôte, donc en Allemagne, quelques jours parce que voilà, il n'avait pas la tête à revenir. Il est revenu seulement la semaine dernière pour reprendre l'entraînement avec Manchester United. Il ne devait pas jouer cette pré-saison, mais il est déterminé à jouer, donc il va quand même jouer cette pré-saison. Surtout qu'il y a quand même Barcelone à jouer. Et comme on va rejouer Barcelone dans peu de temps pour la finale de la Super Coupe d'Europe, eh bah, c'est intéressant de se tester maintenant. Pour vous, pour pas que ça soit trop ennuyant, vu que ce n'est pas des matchs vraiment importants, je vais juste garder les moments les plus importants de ces rencontres qu'on va jouer. Et puis on se retrouvera après quand même pour les deux finales qu'on aura jouées. Ce sera plus intéressant, je pense. Et puis il y a également Julian Walsh qui a apporté tout son soutien à Alex Hunter. Julian Walsh, c'est un énorme fan d'Alex Hunter. Voilà, bah, il connaît hein, ce qu'a vécu Alex Hunter. Hein. Nous, on l'a vécu au Français avec Kylian Mbappé. C'était en finale, c'était peut-être encore plus dur. Et Alex Hunter, c'était en demi-finale, mais c'était un quadruplé. Donc c'était aussi dur quand même pour lui. Enfin bref, on va y aller du coup pour Manchester United Barcelone. Je vous garde vraiment que les moments les plus importants. Et à tout de suite. C'est Alex Hunter qui donne le coup d'envoi, le numéro 7 de Manu qui a prévenu la première ligue, qui va vouloir marquer, il a soif de but. Alex Hunter qui est retrouvé, bien joué. Alex Hunter pour la première frappe et l'arrêt de Ter Stegen. Ouais, bien joué Fekir. Fekir, il va passer. Fekir, le 1v1 à venir. Nabil Fekir, Nabil Fekir. Nabil Fekir avec Alex Hunter 1-0. 1-0 pour Manu. Fekir qui sert Alex Hunter et qui vient de marquer son premier but après l'Euro. Ah, il a quand même le sourire avec cette petite danse. 1-0 pour Manu. Quelle contre-attaque. Le réalisateur qui nous remonte cette frappe dans le but vide. Ce n'était pas le but le plus difficile de sa carrière. Oh, super. Il n'y a pas de hors-jeu là-bas. Oh, il n'y a pas du tout de hors-jeu. Et... Ouf, qu'est-ce qui vient de se passer? Attention. Oh non, on pouvait pas dégager, on pouvait pas dégager. Et Dorak fait l'arrêt. Barcelone sont très bons dans leur passe. Et dans leur dribble aussi. Et Dorak fait l'arrêt. Nouveau corner, Barcelone joue mieux depuis la demi-heure de jeu. Ce serait pas étonnant de les voir égaliser sur ce corner juste avant la mi-temps. C'est Hunter qui va essayer de défendre de la tête, c'est bien joué avec Fekir. Allez, pourquoi pas une dernière situation, il faut laisser jouer M. l'arbitre surtout. Quelle contre-attaque, et Fekir il fait un bon match. Fekir cette fois-ci il va se présenter pour aller frapper, même s'il va être dans l'angle fermé. 2-0, super but de Nabil Fekir, qui a glissé dans les buts après. Le break est fait juste avant la mi-temps, c'est peut-être très très dur pour le FC Barcelone. Une passe D et un but pour Nabil Fekir. Joli but. Ter Stegen ne peut rien faire sur cette grosse frappe. C'est la mi-temps sur le score de 2-0. Et c'est Robert Lewandowski qui va donner le coup d'envoi pour le FC Barcelone de cette seconde période. Et du coup, c'est un but, une passe D pour Nabil Fekir et pour Alex Hunter. Et belle récupération de Casemiro. Bien joué. Pas de hors-jeu du tout là pour Ferran Torres. Attention. Oh, il est passé. Ferran Torres le retrait, la frappe et c'est repoussé. Ça revient. Hors-jeu. La passe lamentable de Sancho et derrière Nunez qui va aller taper la barre transversale. Grosse alerte. Et derrière la contre-attaque peut faire très mal. Et Alex Hunter, quelle prise de balle d'Alex Hunter. Et il vient marquer un doublé dans cette rencontre. 3-0. Et la joie d'Alex Hunter, et c'est important pour lui hein, de marquer face à l'Espagne, hein, le pays qui nous a éliminés durant l'Euro. C'est une petite vengeance. Un petit peu personnel là d'Alex Hunter, le doublé. 3-0, juste après la barre transversale du FC Barcelone. Ouais, bien joué ça. Et De Gea, impeccable face au joueur du FC Barcelone. Pas dernier tacle, il est manqué. Attention, il y aura une dernière situation. Non, c'est fini. Victoire nette de Manchester United, le 3-0. Hunter de but, une passe D. Barcelone aurait pu quand même... marquer un but, ça aurait été mérité pour eux. Ils ont notamment tapé la barre. C'est Fekir qui est homme du match avec deux passes D. Grosse prestation pour le retour d'Alex Hunter après l'Euro. On a eu beaucoup de réussite, hein, on va pas se le cacher. Et c'est parti pour le deuxième match face à Al-Shabaab. C'est parti
pour Alex Hunter de continuer sur sa bonne forme suite à son retour à l'Euro. Salut à tous, on est sur les bords. C'est lui qui donne le coup d'envoi. Fekir, on avait bien compris que Fekir s'entendait bien avec Alex Hunter pour l'instant depuis ce retour. Là, c'est Fekir qui est retrouvé, la grosse frappe passe au-dessus. Jouer. Garnacho, Fekir. Oh, l'enchaînement, il est magnifique et la frappe. Arrêtez. Mauvaise relance, mauvaise relance. Alex Hunter, l'enroulé. Oh, c'est au-dessus, pas bien. Attention, cette première possibilité pour le club d'Arabie Saoudite qui vient surprendre tout le monde, peut-être. De Rea qui se détend. Et De Rea encore sur ce corner. Casemiro, bien joué. Allez, il faut la donner avec Alex Hunter qui va servir Nabil Fekir. Allez, il a plus qu'à la mettre au fond. 1-0 à la 41e minute. Fekir, Hunter, les deux hommes qui se trouvent à merveille. Et ça, ça fait plaisir. Sur une récupération de Casemiro. Et ensuite, Hunter qui délivre la passe D pour Nabil Fekir. 1-0. Fekir qui va frapper de loin. Et l'arrêt. Il y aura un dernier corner avant la mi-temps, on va le centrer, c'est Fekir. Et c'est manqué, Hunter va essayer de la remettre, non. C'est la mi-temps, 1-0 ici. Alex Hunter qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Va falloir être meilleur quand même parce qu'on n'a pas... Oh là là, attention ce tac, j'ai eu peur pour Alex Hunter, il n'y a même pas de carton jaune, on n'a pas été vraiment très performant je trouve dans ces 45 premières minutes. Jouer. Hakimi, le centre, je pense qu'Alex Hunter est hors jeu. Il va marquer un but sublime. Oh là là, le but sublime d'Alex Hunter, je vous le laisse quand même. Ouais, il va le célébrer, mais non. Il est hors jeu, il était magnifique. Ce petit ciseau d'Alex Hunter. On va revoir tout cela. Le centre d'Hakimi était parfait, mais oui, oui, il est hors jeu. On verra pas le geste du coup. Ouais, ça va être cut. On en reste à 1-0. Fekir avec Alex Hunter, il va passer. Alex Hunter, 2-0. Servi par Nabil Fekir, ces deux hommes se trouvent à merveille. Et ça fait plaisir. Il continue de marquer Alex Hunter et ça c'est bien. 2-0 pour Manu. Bien joué, pénalty. Pénalty pour le club d'Arabie Saoudite, il n'y a rien à dire. C'est complètement manqué Romero. Je sens que c'est lui, hein. Ouais, Christian Romero, carton jaune. On va revoir. Il n'y a rien à dire. Quoi qu'il tague dans le vide. Hein. Bon, penalty, De Rea, il est performant. Il va l'arrêter. Et ben non, il se prend une panique. 2-1. La réduction du score. Ouais, il met tout le monde dans le vent. La frappe est De Rea qui fait un grand match quand même. Ouais. Petit match de Manu. On a dominé un moment, mais là on se rend dehors depuis le 2-1. Et c'est Alex Hunter, bien joué, qui va relancer cette équipe. Alex Hunter avec Tillmans. Tillmans, t'as plus qu'à faire la belle passe pour Alex. Il va passer de vitesse, Alex, forcément. Et le doublé pour Alex Hunter. 3-1. Et encore un but en face à face, comme ça, sur une contre-attaque, c'est bien joué. Ça va lui faire du bien, Alex Hunter qui continue à marquer match après match, 3-1. Avec Fekir et Hakimi, non c'est Tillmans, pardon. On a vu là-bas Merino, on va se faire plaisir pour finir. La frappe de Merino, il y aura un dernier corner quand même. On va le centrer directement par Fekir, qui va chercher la tête d'Alex Hunter. C'est fait, la tête ensuite de Merino, non. Victoire 3-2, Manu. C'est bien, Alex Hunter qui aura marqué un doublé, une passe D une nouvelle fois. Hein. Il se trouve bien avec Fekir, il est homme du match cette fois-ci. Au revoir lui. Allez, c'est parti pour ce troisième match de pré-saison. Et pour information, oui, malheureusement, Bruno Fernandes a quitté Manchester United. Énorme déception. Je suis allé voir dans l'équipe et il n'y est plus. Bon, bah, il va falloir bien jouer avec Fekir. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est reparti pour un nouveau match, le dernier de la pré-saison. Direct, on va chercher Alex Hunter forcément. Ah, il est passé, Alex Hunter, superbe. Qu'est-ce qu'il a de faire, Alex Hunter? Dans l'angle fermé, il va frapper, c'est repoussé, et le but. L'ouverture du score, c'est Nabil Fekir, justement, voilà. Non, si, c'est Fekir qui vient marquer
1-0 dès la troisième minute. Quelle entame de match bien menée par Alex Hunter qui a pris la défense de vitesse. On va voir tout cela. Il fait le travail, il fait une grosse frappe, le gardien qui la repousse, mais ça revient dans les pieds de Fekir, me semble-t-il, ou c'est un CSC? C'est un CSC. Qui pour l'instant, je trouve qu'il est un petit peu en dessous, mais là, il fait une belle passe en profondeur pour Alex Hunter, qui a marqué dans tous ses matchs de pré-saison pour l'instant. Et là, il bute face au gardien. Le corner qui joue à deux. Fekir avec Alex Hunter, et la belle frappe arrêtée encore par le portier. Berchiche qui est pris de vitesse. Ouais, attention. Oh, de rack et de la réussite. Anthony, bien joué avec Alex Hunter. Il n'arrive pas à passer. Mais c'est pour Fekir. Oh là, il a complètement craqué Nabil. Parce que ça a été contré tout simplement. Le centre et c'est Fekir de la tête sans problème. Ouais, bien joué ça. Quel pressing, oui. Et Anthony qui s'est pas manqué, même si c'était manqué au début. Il va frapper pour marquer 2-0 pour Manu à la 43e minute. Je crois que dans nos 3 matchs de pré-saison, on aura marqué hein, à la 43e minute. Bien joué. C'est la mi-temps et pour l'instant, c'est Manu qui mène au score et qui est champion de cette pré-saison. Ça serait la première que je remporte, c'est beau. En plus, il y avait un choc Barcelone-Real Madrid. Parfait. Oh, superbe. Ça avec Garnacho. Garnacho qui va aller au but, qui a plus qu'à la donner ensuite à Anthony et 3-0. Voilà. Bien joué. Le doublé pour Anthony. Alexander qui sert Garnacho, puis Garnacho qui ensuite a plus qu'à la donner sur un plateau à Anthony, pas de hors-jeu, 3-0. Oh superbe, ce ballon avec Nabil Fekir, et Fekir qui la donne à Alexander, 4-0. Et voilà, Alexander qui aura marqué dans les 3 matchs de pré-saison, et voilà, 4-0. Nabil Fekir qui remplace très bien Bruno Fernandes. Pour l'instant, en tout cas, dans ce début de saison. Sur le côté avec Anthony, bien joué Anthony. Avec Alex Hunter, le poteau rentrant, la réussite, elle est là. 5-0, Manu sera champion de ce trophée. Sur Nabil Fekir, il va l'envoyer en profondeur. Alex Hunter, oh il y a faute, c'est carton rouge. Alex Hunter, et c'est jaune seulement. Alex Hunter qui allait marquer le triplé. Ah, Nabil Fekir qui demande de l'expulsion aussi. Bon, il y a 5-0, c'est un match de pré-saison. Mais ouais, je sais pas, il tombe un peu tout seul, Alex Hunter aussi. Mais bon, il avait la balle du triplé. Et Ndidi, ça passe au-dessus. Oh la mauvaise relance, le contrôle, c'était pas Fekir, c'était Sancho qui sert Alex Hunter et le voilà son triplé 6-0 pour Manu à la 90e minute plus 2. Enfin, 90e minute et 2 minutes de temps additionnel. Mauvaise relance et voilà, on récupère ce ballon directement. Et ensuite, la défense est complètement en retard, fatiguée sûrement de cette rencontre. Ça va faire du bien, hein. Quelle pré-saison d'Alex Hunter. Après, on n'a pas joué forcément des grands clubs à part le premier match face au FC Barcelone. C'était pas ouf, mais qu'on avait quand même gagné 3-0. Et du coup, Manu est champion de cette pré-saison. C'est bien de commencer comme ça. 6 buts pour 2 buteurs. Ça va faire du bien au moral de toute l'équipe. 8,8 de notes. Il a été impeccable, Alex Hunter, dans cette pré-saison. Un petit coup d'œil, du coup, pour le trophée des champions. 12 buts, un seul but encaissé, sur penalty. Bon, bah voilà, on est champion avec 9 points. C'est beau. Surtout qu'on avait joué quand même le Barcelone. Donc c'est pas rien qui a gagné face au Real Madrid 2-0. Et puis bah nous on y va pour ce Community Shield face à Brentford. Puis après il y aura la Super Coupe d'Europe à jouer face au FC Barcelone. On va y aller comme ça. De Ligt a signé au club pour information. C'est Garnacho qui est titulaire à gauche. Ça va être un problème par contre. Hein. Je comprends pas pourquoi Sancho ne joue pas. Hein. J'ai du mal à jouer avec Garnacho. Je sais que dans la vraie vie il commence vraiment à être étincelant. Mais dans FIFA c'est autre chose.
l'attend, mais c'est enfin d'actualité. Bon allez, il y a un trophée, un autre trophée à aller chercher pour Alex Hunter, même si on en a déjà gagné un du coup avec cette pré-saison. Il perd le ballon, mais ça reste dans nos pieds. Tout de suite, hein, c'est pas le même jeu. Alex Hunter qui va être servi. La frappe, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi cette frappe lunaire d'Alex Hunter? 4ème minute, Brentford va pouvoir redonner un coup d'envoi. Le nouveau but d'Alex Hunter avec Fekir dans ses bras, bien sûr. L'accolade entre tous les joueurs de Man U. Et oui, superbe. C'est Garnacho, la passe D. La frappe au gardien pour rien faire. Ça va petit filet. Alex Hunter, il a dit, il était déterminé pour cette première ligue. En tout cas, pour cette nouvelle saison, ça fait déjà un zéro. Important quand même de remporter un nouveau trophée. Fekir. Fekir qui va lui aussi s'essayer de loin. Ça marche! Ça marche! 2-0! On rappelle, Brentford nous avait éliminé de la coupe la saison dernière. Puis après, ils avaient remporté la finale face à Liverpool, il me semble. Oui, c'était ça. Donc ce n'est pas n'importe qui quand même. Mais là, pour l'instant, ils prennent le 2-0 sur deux frappes. Nabil Fekir, Alex Hunter font un début de saison stratosphérique. Et c'est la même frappe qu'Alex Hunter. Et ça fait mouche, 2-0. Garnacho. C'est incroyable. C'est incroyable ce début de match. Alex Hunter. Oh là là, il s'est manqué cette fois-ci. S'excuse auprès de ses partenaires. Lui, il le sait, il y a Anthony sur le côté. Ces deux hommes-là aussi s'apprécient à merveille. Anthony ne peut pas lui remettre. Par contre, c'est récupéré quand même. Alex Hunter, Alex Hunter. La frappe, elle est contrée. Corner obtenu par Manchester United, dans toute logique. Oui. Corner qui va être joué à deux avec Fekir. Le retrait pour Garnacho. Il aime bien faire des enroulés comme ça. C'est contré. Anthony qui ne peut pas remettre dans le paquet, malheureusement. Son Koundé était vachement haut. Il l'avait récupéré. Il l'a récupéré. Oh, il y en a un joueur blessé. Fekir qui frappe de loin. Mais parce qu'il demande le changement, c'est Anthony. Aïe, 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 coup dur. L'énorme coup dur, par contre, parce qu'Anthony, on en a besoin. C'est Sancho, je pense, qui va rentrer. Et ça sent déjà, dès le premier match de la saison officielle, déjà la fin de saison pour lui. En tout cas, fin d'année pour lui, je pense. C'est Tillmans, donc, qui rentre. Ouais, ça va être dur de jouer les matchs avec Tillmans. Et donnez-nous la balle, s'il vous plaît. Ils nous ont pas réellement redonné la balle. Là, ça, c'est pas bien. C'est pas du tout fair play par Brentford. Ça ne plaît pas du tout au coach de Man U. Ouais, bien joué. Fekir avec Alex Hunter. Alex Hunter pour Anthony. Il est pour Anthony, ce but. Hommage à Anthony. Oui, 3-0. Beaucoup de buts. S'il vous plaît, passez-moi la cinématique, merci. Fekir pour la nouvelle passe D. 3-0. Alex Hunter est vraiment déterminé cette saison. Ouais, Malacha, bien joué, pas de sortie. Alex Hunter à nouveau, c'est fou. C'est fou, moi j'ai plus les mots, même si là il bute sur le gardien. Il fait tous les bons appels, Alex Hunter, il est devenu stratosphérique depuis l'Euro. Tillmans et Ndidi, pour l'instant, c'est pas des bonnes recrues, je trouve. Pas de pénalty. Il y a peut-être faute encore sur notre joueur, ne tacle pas derrière. Et l'arbitre qui donne toujours pas de carton. Les Furax, l'entraîneur. Allez, la récupération. Il est un peu haut là, Alex Hunter, attention. Ouais, bien joué ça. Fekir avec Alex Hunter. Oh, la petite frappe. Ça, c'est dommage, c'est la mi-temps. 3-0. On espère qu'Anthony, ça va pour lui, mais les nouvelles ne sont pas du tout rassurantes. À la mi-temps, 65 de possession. 0 frappe pour Brentford, grosse domination de Man U. Bien joué cette récupération, le contrôle, il était long, mais ça reste dans nos pieds. Et Tillmans, regardez comme il est lent, Tillmans. Eh ouais, Alex Hunter quand même, il est trouvé. La grosse frappe, il fusille le gardien, mais ça a arrêté. Hunter pourrait faire mieux quand même, il peut aller chercher le triplé. Le retrait sur Ndidi. Ce corner pour l'instant ne donne rien. Fekir à nouveau. Le petit centre de Fekir. On a essayé de chercher la tête d'Alex Hunter. On le sait, il est performant de la tête. C'est pas fini. Fekir et l'arrêt. Martinez. Ouais, cette fois-ci, c'est bien joué avec Alex Hunter.
Martinez à nouveau avec Alex Hunter, ça c'est bien joué. Alex Hunter, il pouvait la donner. Peut-être là, il aurait fallu. Le gardien, il n'est pas dans ses cages encore. Bien joué. On rentre dans le temps additionnel. C'était bien parti, mais ce ballon est perdu. Et il n'y aura pas de dernière situation, dommage. Bon, c'est la victoire. Il y aura un nouveau trophée. Un autre titre pour Alex Hunter. On a fait 30 premières bonnes minutes et puis après on s'est un petit peu endormi. Mais bon, on a fait le jeu. Brentford n'a eu zéro tir. Si je dis pas de bêtises. Y a-t-il la remise du trophée? C'est quand même une finale de Community Shield. Moi j'attends la petite cinématique, mais les joueurs retrouvent vestiaire. Bon, y a pas de remise de trophée. Un peu la déception. Bon, en tout cas, Alex Hunter montre vraiment qu'il est déterminé à... Ah si, quand même. Il est déterminé à tout remporter, il y a quand même une petite remise des trophées. Il faut se réchauffer le cœur. Et même en début de saison, ça fait plaisir de voir un nouveau titre. C'est Casemiro qui va soulever ce trophée. Le Brésilien en hommage à Anthony, bien sûr, parce que j'ai peur qu'Anthony, ça soit très très grave. On parle de ligament croisé, je sais pas trop. Un nouveau titre, et ça fait plaisir. C'était pas le plus grand match d'Alex Hunter, mais il est quand même auteur de deux buts. Bon, pour Anthony, ça va, c'est luxation de l'épaule, il sera absent 2 mois, ça va être compliqué, mais on fera avec. On a ce match face à Barcelone, du coup, qu'on a déjà joué tout à l'heure. Et avant cela, on va mettre des petits points, parce qu'Alexander, il a débloqué des petits points. Et on va les mettre dans les passes, hein. Si on le sait. Oh, les dribbles aussi, hein, c'est pas ouf. Mais les passes non plus. Donc, on va améliorer tout cela, la vista. Et puis, ouais, les passes longues, intéressant. Hop. Ah, il nous reste encore un petit point. On va voir si on peut le mettre à nouveau pour les passes. Et bah voilà. Et on y va pour ce dernier match de la vidéo. Super Coupe d'Europe, ce n'est vraiment pas rien. On va y aller avec notre maillot rouge, bien évidemment. A tout de suite pour l'entrée des joueurs. C'est parti pour cette finale donc. Et on n'a pas vraiment délié parce qu'on a Garnacho à gauche et Pellistri à droite. Donc 73 et 75 de général. C'est pas ouf. Je comprends pas pourquoi Sancho n'est pas titulaire. Ouais. Bon bah... Va falloir compter sur Fekir et Hunter. Hein. Mais ouais, la blessure d'Anthony va nous faire mal, ça c'est sûr. Et voilà, quand on choisit l'objectif, ça passe les entrées des joueurs. Ça c'est vraiment agaçant. Bref, c'est une finale de Super Coupe d'Europe. Avec Hunter, on en a déjà gagné une avec le Real Madrid. Et on a déjà gagné Barcelone tout à l'heure. Sauf que là, Barcelone, j'ai l'impression qu'ils ont d'autres envies. Ils ont envie de peut-être se venger. D'entrée. Ouais, il nous a attendu. Oh, bien joué. Incroyable ce début de match pour le FC Barcelone. On n'est pas habitué à ça, c'est le premier corner. D'habitude, c'est Manu qui commence fort. Et là, pour l'instant, c'est le FC Barcelone qui maîtrise. Hunter qui va essayer de défendre, c'est mal défendu, mais heureusement de Rey. Alex Hunter avec Fekir, faut les trouver ces deux hommes. Oh, ouais. Mais comme il n'y a pas d'Anthony, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de Sancho, il y a peut-être faute. Monsieur l'arbitre, quand même! C'est quoi ce scandale? Le tag par derrière, les arbitres, vraiment, ils sont vraiment particuliers sur cette année. Alex Hunter. Ouais, mauvaise passe là. Pellistri avec. Ouais. Ndidi, bien joué. Alex Hunter, il y a faute, avantage. Allez, Ndidi! Ndidi! Oui, l'ouverture du score d'Ndidi! Manu, juste avant la mi-temps. Il n'y avait même pas de temps additionnel annoncé en plus. Donc on va siffler la mi-temps sur le coup d'envoi d'après. Super but. Ouais, premier mouvement collectif et il est payant. C'est Pellistri qui fait la passe décisive, me semble-t-il. Et Ndidi qui vient tromper Ter Stegen. 1-0. Ça va nous faire du bien parce que c'était très délicat. Alex Hunter, on le voit pas trop là dans ce match-là. Eh oui, il lui manque des partenaires comme Sancho ou comme Bruno Fernandes ou encore Anthony. C'est sûr que quand tu perds ces trois joueurs, ouais, bah tu peux pas faire grand-chose derrière. Il va falloir que Manu recrute vraiment des milieux offensifs ou ouais, des milieux gauche, milieux droit pour épauler tout ça. Ndidi, Fekir,
dernières minutes maintenant. Ah, ça c'est pas bien non plus de Fekir, même si Alex Hunter il s'est battu. Forcément, quand c'est Fekir, Alex Hunter se bat. Le poteau est derrière, il peut pas la remettre au fond. Barcelone est sauvé. Le jeu Fekir avec Garnacho. C'était en retrait que je voulais la donner. Fekir, c'est pas fini. Garnacho, Garnacho. Mais monsieur l'arbitre sifflé. C'est péno. Non, c'est coup franc. Carton jaune. On va revoir ce tag par derrière de Ferreira sur Garnacho. Moi, je comprends pas comment on peut pas mettre rouge. C'est. Et voilà, Sancho qui va enfin rentrer. Alors, je vais la tenter avec, avec Alex Hunter. Pourquoi pas, hein, on sait jamais. Et un nouveau changement. C'est Delert, c'est possible. Oh non, pas Delert qui sort. Ah, mais Rode. Allez, on va reprendre Alex Hunter. On sait jamais, on sait jamais. Alex Hunter, il y a beaucoup de puissance. Il y a beaucoup de puissance, c'est dans le mur. Alors attention, on n'a plus d'alerte. Oh là là, c'est défendu. C'est récupéré par Barcelone. Les mauvais changements qu'on va payer. Oh là là, quelle sortie. Quelle mauvaise relance aussi. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Sous pression dans ces dernières minutes. Sancho, oh, il va passer de vitesse, il est frais. On est sur la dernière minute en plus. Alex Hunter avec Sancho. Et ça va se finir là-dessus. C'est Sancho qui va servir le cadeau. C'était pour Alex Hunter. Mais c'est Pellistri qui la prend, qui vient piquer ce ballon à Alex Hunter. Du coup, on regardera pas ton but, Pellistri, parce que tu as volé le but d'Alex Hunter. C'est fini. Nouveau succès. Très compliqué pour Manu. Delirte a été très bon en défense. Et c'est un nouveau titre. Et on va pouvoir clôturer cette vidéo sur cette belle cérémonie à venir. Encore un trophée. Début de saison remarquable pour Manu qui a pris qu'un seul but en 5 rencontres. Et ça, c'est de très très bon augure pour la suite à venir. La joie, même si Alex Hunter a fait un petit match. C'est un peu toute l'équipe qui a fait un petit match, mais il y a eu la victoire, c'est ce qui compte. L'arbitre n'a pas été avec nous. En plus. Et voilà, la saison qui commence bien. Regardez Alex Hunter qui est habitué de cette remise de trophée, il commence à être habitué, il l'avait gagné ce trophée avec le Real Madrid. C'est quand même un trophée majeur. Il y a deux saisons, et là il le remporte avec Manu, c'est Casemiro donc qui va soulever ce trophée. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve lundi prochain pour le début du championnat. Merci à vous et passez un bon week-end.